Hello, welcome back to my channel. Finalizing cuisine 237. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un autre épisode de Nadine Cuisine. Je vais vous apprendre ce nouvel épisode comment faire frire votre riz à la maison avec des végétables, du saucisse et des raisins. Today, guys, I'm gonna learn you why to fry your fried rice with sausage, raisins and vegetables. Ok, guys. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Et surtout, n'oublie pas de subscribe, de liker, de partager la vidéo pour qu'on puisse former une très très bonne famille. Moi, c'est Nadine Christine 237. Aujourd'hui, je partage avec toi ma recette de riz sauté avec du saucisson, du raisin et des végétables. N'oublie pas de subscribe, de liker, de partager, surtout. Commenter pour que ensemble on forme une très grande communauté. Nous avons nos raisins ici. Et les raisins là, je vais les tremper avec de l'eau chaude pour les ramollir. Comme ceci. Et je vais laisser reposer. Je vais acheter de l'huile pour faire revenir mes sausages. Je vais les caraméliser un peu. Ici, j'ai du piment haché, un peu de poivre noir, une cuillère à café de persil, demi cuillère à café de ginger. Et une cuillère à soupe de ail haché, du poivron oignon, de l'oignon. Ce que je fais, je vais ajouter un peu d'ail et de gingembre pour sauter mes machins et un peu de poivre noir pour les caraméliser un peu. Ajoutez un peu d'oignon. Là, j'ai des navettes de poivre, de haricots verts, des asperges, de la carotte. Et puis je fais ajouter un peu de navettes dans mes saucissons. Je vais caraméliser. Là, je pense que c'est bon. Je vais les retirer. Je vais mettre pour la réserver tout ça. Je rajoute de l'huile là. Là, je vais ajouter mon oignon. Et laisser caraméliser légèrement. J'ajoute mon gingembre avec l'ail, le riz. Je rajoute mon poivron rouge,
mon poivron vert, mon poivron jaune. Si vous n'avez pas de poivron de couleur, vous concevez le vert ou le jaune ou le rouge, c'est la même chose. Moi, je veux seulement avoir beaucoup de couleurs dans ma nourriture. Ok. Ce que je fais, je vais retirer un peu de poivrons pour les mettre à la fin, pour que notre riz soit croquant. Ok, guys. Je conseille tout à l'heure. Vous rajoutez les asperges, une quantité, le reste des navettes, alcool vert, et carottes, et cette quantité, je vais la rajouter à la fin. Mélangez parfaitement. Et si tout sont bien caramélisés, je rajoute mes raisins. Ici, j'ai mon soya sauce. Je secoue bien et je rajoute. Là, sans se passer là. Je vais ajouter mon riz bien bouilli à l'avance avec un peu de grains de poivron, de poivre noir. Je l'ajoute progressivement. Si vous voulez savoir comment je vais bouillir ce riz, allez regarder la vidéo des 8 manières pour bouillir le riz. Il est sorti sur ma page sur YouTube. Cherchez la vidéo des 8 manières de faire son riz à la maison. Vous allez voir. J'ai au moins 2 manières de faire le riz jaune là-bas dans cette vidéo. C'est pour ça que je n'ai pas jugé ici de vous montrer comment encore le faire ici. Ici, j'ai 2 boîtes de riz. J'ai pris 2 boîtes de riz pour le faire. Il n'y a pas besoin de trop cuire les végétaux. Les végétaux doivent être... Moi, j'aime les végétaux croquants parce qu'ils cuisent au fur et à mesure qu'ils cuisent. Ils continuent la cuisson. Ça continue à cuire. Donc, c'est le croquant. Comme ça, comme j'aime. C'est pour ça que j'ai pas laissé la durée trop longue. Là, je vais ajouter mon riz. Je n'ai pas ajouté le sel ici parce que j'ai bouilli le riz avec le sel. Donc, je goûte avec... J'ai seulement ajouté la sauce soya. Mon soya sauce. Et je vais goûter si ça suffit. Là, je vais ajouter un peu encore du soya sauce. Et c'est bon. Je vais mettre mon piment haché, mon poivre noir et mon persil. Là, la chute de saucisson sautée à l'avance. Là, j'ajoute le reste à la fin parce que je veux que ça reste bien croquant. Bien croquant. Ça, c'est la méthode que j'utilise pour conserver mes choses croquantes dans mes légumes à longue durée. Là, quand vous conservez, même après, ça ne fane pas, ça dure bien.
je vais laisser mijoter 5 minutes. Je laisse mijoter 5 minutes. Voilà. Notre riz est prêt. Très bien. Vous voyez? Parfait. N'oubliez pas de subscribe, de liker, de partager la vidéo. On se retrouve à la vidéo prochaine, ok? Bye!